Créer sa marque de vêtements, c'est pour certains un objectif, d'autres un rêve, même une passion. Ce qui est certain, c'est que ça intéresse beaucoup de monde. Maintenant, pour créer une marque de vêtements, je pense que c'est pas très compliqué. Par contre, pour obtenir la réussite, c'est-à-dire le succès, créer une marque de vêtements qui va se vendre, une marque de vêtements que tu vas développer, ça demande des compétences, ça demande de maîtriser certaines méthodes, certains secrets. Tout ça, j'ai envie de te l'offrir, de d'aborder avec toi les points les plus importants pour créer ta marque de vêtements. Pour ma part, je pense qu'en 2021, tu dois créer ta marque de vêtements en Turquie. Et c'est le sujet de la masterclass. C'est une masterclass totalement gratuite d'une heure que j'organise le vendredi 29 janvier à 21h heure de Paris. Et au cours de cette masterclass, je vais t'expliquer comment créer ta marque de vêtements en Turquie. Aussi les pièges à éviter. Parce que voilà, quand on décide de bosser avec des fabricants à l'étranger, il y a des choses à maîtriser tout simplement. Alors au cours de cette masterclass, je vais te présenter la méthode que j'ai mis en place, que j'ai créée pour que tu puisses obtenir un véritable succès avec ta marque de vêtements. Parce que voilà, s'il suffisait, j'aime bien répéter cette phrase, mais je le dis régulièrement, s'il suffisait d'acheter un logo sur internet et puis de faire produire chez le petit imprimeur de quartier, ben, il y aurait des success stories à tous les coins de rue. Et je pense que tu as assez d'amis autour de toi, de connaissances qui ont essayé de créer leur marque et tu peux vraiment compter sur les doigts de la main ceux qui ont eu un véritable succès massif, d'accord ? Si tu veux réussir dans la création de marque, c'est très simple, tu dois utiliser la méthode des plus grands. Quand je dis les plus grands, c'est Zara, H&M, Dia, je pourrais t'en citer des dizaines et des dizaines, mais en fait, il y a des méthodes à appliquer. Beaucoup vont axer sur comment créer ton branding, comment créer ton logo, comment créer ton storytelling. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, attention. Le secret est de savoir produire la meilleure qualité au meilleur prix, d'accord ? Le point le plus important. Cette méthode, on va en parler durant cette masterclass. Et aussi, un concours que je mets en place, c'est un concours unique parce que tu vas avoir la chance de remporter un stage d'une semaine à mes côtés. Je serai accompagné uniquement de mes équipes, c'est-à-dire ceux qui vont tourner, enregistrer, garder tout ce qu'on va faire ensemble. Puisque l'on va à la fois travailler sur ton projet, la création de ta marque, l'élaboration de ta marque, on va aller dans les lieux de fabrication, mais aussi on va travailler ton mindset. Parce que voilà, réussir dans le business, il y a des méthodes et des techniques. Il faut à la fois connaître la méthodologie et aussi le mindset, le mental pour obtenir la gagne, d'accord ? Ce genre de prestation, si je devais facturer cette prestation en tête à tête, on m'a déjà demandé de participer à un stage, mais uniquement en privé, et c'est des prestations à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette fois-ci, tu vas avoir une chance de la remporter. Tu vas avoir une chance de remporter un stage tout frais compris, c'est-à-dire le vol, l'hôtel, etc., le coaching, le consulting, et on va élaborer ensemble la création de ta marque. Donc tout ça, je vais en parler pendant le live qui a lieu le vendredi 29 janvier à 21h heure de Paris. On va échanger pendant une heure et je vais te dévoiler voilà, la méthode à appliquer, les tips, les choses à connaître, d'accord ? Et aussi rejoindre, si tu es intéressé, le programme que j'ai mis en place pour la création de marque. Vous êtes très nombreux à attendre ce programme. Les places vont être limitées, donc je vous invite vraiment à être présent à la masterclass parce que le lancement va être officiellement fait durant cette masterclass, d'accord ? En attendant, ta réussite, tu la mérites et rendez-vous le 29 janvier à 21h heure de Paris.